Même quand le pire est devant toi, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux prier ce soir pour les familles. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Bundia de la communauté Vie Abondante. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos églises, shalom dans vos nations, shalom partout dans le monde où vous nous suivez. Je suis très très content de vous voir aujourd'hui, d'être avec vous à l'école de la prière et partager ces moments combien glorieux dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément partout où vous nous suivez. Merci aussi pour le message que vous nous envoyez. Merci pour les appels et nous continuons à prier pour vous et avec vous. Là où vous êtes, bien-aimés, levez les mains, approchons-nous du trône de sa grâce, parce que c'est une faveur d'être devant le trône de Dieu. C'est une grâce de se rapprocher de lui. Alléluia. Là où tu élèves les mains et commences à contempler sa présence, commence à contempler sa majesté, commence à contempler sa gloire, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il te donne ce matin. Dis-lui merci pour la force qu'il te donne ce matin. Dis-lui merci pour la paix qu'il te donne ce matin. Élève la voix et dis-lui merci. Alléluia. Oh Père, nous te disons merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, oh Père. Merci pour la santé que tu nous donnes, Yeshua. Merci pour la force que tu nous donnes ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être devant le trône de ta grâce. Alléluia. Bien-aimé, se tenir devant la présence de Dieu est un privilège, est une grâce. Oh, alléluia. Lève les mains là où tu es, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce moment de prière. Dis-lui merci pour cette onction, cette grâce. Alléluia. Mon âme t'adore, Père. Mon âme t'élève et mon âme t'exalte. Mon âme te bénit et mon âme te glorifie, Seigneur. Je dis merci pour ta fidélité. Je dis merci pour ta grâce, Papa. Je dis merci pour la vie que tu nous donnes. Je dis merci pour ton onction, Seigneur. Je dis merci pour la santé, Papa. Je dis merci pour la famille que tu nous donnes. Je dis merci pour la force que tu nous donnes. Je dis merci pour la bénédiction que tu nous donnes. Bien-aimé, je veux que tu dises merci pour l'arme fatale que Jésus nous a donnée, le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu dises merci pour cette alliance que Dieu te nous a donnée, la nouvelle alliance. Alléluia. Oh, je dis merci, Seigneur. Merci pour ton sang, les signes de la nouvelle alliance. Merci pour l'alliance que tu nous as donnée à la croix de Golgotha. J'élève ma voix pour te dire merci, Seigneur. Un homme juste est venu mourir pour un pécheur. Toi qui as quitté le trône de ta grâce, qui as pris la forme d'un serviteur et tu es venu mourir à la croix pour l'homme pécheur que je suis. Je dis merci, Seigneur. Ce privilège que tu me donnes d'être ton enfant, ce privilège que tu me donnes d'être dans cette alliance que tu as tissée avec moi au travers de la croix. Oh, je dis merci, Seigneur. Alléluia. Relève la voix vers le Seigneur et dis au Seigneur merci. Alléluia. Oh, je dis merci. Merci pour l'œuvre de la croix. C'est la puissance de Dieu pour nous, Seigneur. Oh, Masakaya Baba, Rikotaraba Shendere Bosata. Dis-lui merci pour le sang qui te donne la victoire sur le diable et ses démons. Dis-lui merci pour le sang qui met en spectacle les autorités, les principautés. Alléluia, j'ai dit merci, Seigneur. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour la puissance glorieuse du sang de Jésus. Merci pour la puissance illimitée du sang de Jésus. Merci pour la puissance du sang qui nous purifie, qui nous lave. Oh, merci pour le sang qui est lève les péchés, Seigneur, qui fait la rémission de nos péchés, nous permet de tenir devant ta présence ce matin. Oh my God, j'ai dit merci, Seigneur, parce que nous sommes saints devant ta face, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, mon ami, quand tu es en train d'invoquer le sang de Jésus, le Seigneur te donne la sainteté, il te donne la pureté, il te donne sa justice, non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de son sang qui a coulé. Alléluia. Oh, Masakaya Baba, Rikotaramandebosata. Oh, nous sommes saints devant ta face, à cause du sang de Jésus, que nous invoquons ce matin nous couvrir, que nous invoquons ce matin couvrir chaque personne qui a l'école de la prière. Regarde le Père au travers du sang de ton fils et tu le verras juste, mon Seigneur. Regarde le Père au travers du sang de l'agneau et tu le verras sans tache et sans ride. Oh, Masakaya Baba, Rikotaramandebosata. Bien aimé, lève les mains vers le trône et dis, Seigneur, j'ai besoin de ton sang, mais couvrir corps, âme, esprit. Lève les mains vers le trône et dis, Seigneur, couvre-moi par ton sang. Je vais être
être couvert par le sang de Jésus. Que mon corps soit couvert par le sang de Jésus. Que mon âme soit couvert par le sang de Jésus. Que mon esprit soit couvert par le sang de Jésus. Là où tu élèves la voix vers le Seigneur. Oh, Masakaya Baba. Rico Taramande Bosataria. Oh, à travers le monde, Seigneur. Les hommes et les femmes de l'école de la prière. Laisse que ton sang le couvre. Que le sang de Jésus couvre leur corps maintenant. Que le sang de Jésus couvre leur âme maintenant. Que le sang de Jésus couvre leur pensée maintenant. Que le sang de Jésus couvre leur esprit maintenant. Oh, Père, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. Oh, Masakaya Barabo Shente. Endarakatura Mandebo Sataria Manderebo. Endorobo Sekere Manderebo Jesus. Bien-aimé, remercie-le pour le sang. Dis-lui, Seigneur, tu m'as justifié ce matin à cause de ton sang, Papa. Tu m'as sanctifié ce matin à cause de ton sang, Seigneur. Tu m'as restauré ce matin à cause de ton sang, Jésus. Et je peux me tenir devant ta présence parce que le voile a été déchiré. Alléluia. Oh, Masakaya Baba. Rico Taramandebo Sataria. Oh, Père, j'invoque le sang précieux. Oh, je te dis merci pour le sang de Jésus qui nous rend juste devant ta face. Le sang de Jésus qui nous rend saints devant ta face. Le sang de Jésus qui nous a rachetés de la boue du péché, qui nous a rachetés de l'esclavage du diable. Merci, Père, parce que nous sommes assis avec toi dans le lieu céleste au travers du sang de ton Fils. Merci infiniment, mon roi. Merci infiniment, mon rédempteur. Je te dis un grand merci, Jésus. Oh, Masakaya Baraba Shenderebo. Endorobo Sakaya Baba Baba. Rikataramandebo Sandaria Baskataria. Oh, bien-aimé, là où tu es maintenant, oh, collabore avec le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit maintenant et dis-lui, je ne sais pas prier, mais que l'Esprit de Dieu m'aide à prier. Je ne sais pas adorer. Que l'Esprit de Dieu m'aide à adorer. Bien-aimé, appelle le Saint-Esprit de Dieu et qu'il vienne là où tu es. Et que l'Esprit de Dieu te couvre. Et que l'Esprit de Dieu te remplisse. Et que tu sois rempli jusqu'à déborder par le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, oh, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Masakaya Baba. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Remplis ton peuple maintenant, Père. Remplis leur cœur, Jésus. Remplis leur âme, Seigneur. Remplis leur esprit maintenant. Et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et qu'ils soient inondés du Saint-Esprit. Père de gloire, je prie maintenant. Toi qui baptises par le feu et le Saint-Esprit. Baptise chacun de nous dans le feu du Saint-Esprit. Baptise chacun de nous du Saint-Esprit, Seigneur. Conduis chacun de nous du Saint-Esprit, Père. Au nom de Jésus. Oh, Masakaya Baba. Rico Taramandebo Sata. Endorobo Shekeremanda Boya. Rikobo Sakaya Baba. Bien-aimé, je veux que tu prophétises et que tu déclares que ce mois d'août est un mois d'accomplissement, est un mois de grâce, est un mois de bénédiction, est un mois de prière, est un mois de sainteté à cause de l'œuvre du sang de Jésus dans ta vie, dans le nom de Jésus. Père, nous parlons et nous déclarons dans ce mois d'août. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je confesse et je déclare que ce mois d'août est un mois d'accomplissement pour mon frère et ma sœur. C'est un mois d'accomplissement dans sa vie, Père. Que les promesses de Dieu prennent corps en lui, dans le nom de Jésus. Dans ce mois d'août, je prie que mon Dieu te bénisse de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je prie que ce mois d'août soit un mois de bénédiction, un mois de grâce, un mois de prière et d'intimité avec Jésus. Ce mois d'août, Seigneur, est un mois de pureté, d'acte de sainteté dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Je prie et je déclare, oh, comme la Bible dit, le souverain sacrificateur qui a reçu l'onction bénira le peuple de ta part. Je suis venu bénis ton peuple, Seigneur, que ce mois d'août est un mois de rafraîchissement. Pendant que le monde est en vacances, nous sommes rafraîchis par ta présence. Alléluia. Nous sommes rafraîchis par ta grâce. Alléluia. Nous sommes restaurés par ton esprit. Alléluia. Rokamasatabaya. Endarakatura mandebosata. Rikobo shenderebosataria. Eko rakatorobosantaramande. Rekebosakaya baba baba. Oh bien-aimé, prophétise sur ta vie. Que ta vie va rendre gloire au Seigneur. Prophétise sur ta vie. Que ce mois d'août, tu vas avoir l'intimité profonde avec Jésus. Prophétise sur ta vie. Ce mois d'août, tu vas écouter la voix de Dieu. Alléluia. Roma Sakaya Baba. Rico Taramandobo Sataria. Oh Jésus, que ce mois d'août, Seigneur, soit un mois béni pour ton peuple. Soit un mois où nous marchons dans l'intimité avec Christ. Où nous montons dans la vie de prière et de consécration. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme t'élève, Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé, je veux que tu pries en esprit et que tu dises au Saint-Esprit pendant que tu es en train de prier avec moi, que l'Esprit de Dieu te parle dans tes pensées et que tu écoutes clairement la voix du Saint-Esprit. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de prier, tu vas entendre distinctement la voix du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Il a fait que la prière soit un moment d'écoute de l'Esprit de Dieu et que tu entendes clairement la voix de Dieu et que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. My God.
miséricorde. Pendant que je suis en train de prier avec toi, tu es en train de voir des visions célestes. Tu es en train de voir dans l'esprit, alléluia. Tes yeux spirituels sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Tes oreilles spirituelles sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Et tu entends clairement la voix de Dieu. Et tu reçois clairement l'instruction de Dieu pour ta vie, alléluia. Pendant que je prie en langue, bien aimé, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Pendant que tu pries, que tu vois. Pendant que tu pries, que tu entends la voix de Dieu, parce que ces brebis entendent sa voix, alléluia. Oh, Masakaya Baba Baba. Korakataramande bosatarabasheke. Endorobo sakaya bababa. Rikorobo sataramande. Oh, tu es le bon berger, Seigneur, nous sommes tes brebis. Et masakaya bababa. Oh, ouvre nos yeux pour que nous voyons, Seigneur. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions, Père. Pendant que nous sommes en train de prier maintenant, que chacun écoute. Écoute une révélation particulière qui vient de toi et que chacun reçoive la voix de l'Esprit de Dieu pour sa propre vie, pour sa situation. Alléluia. Oh Père, je prie maintenant, oh, que tu amènes ton peuple. La Bible invoque moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh my God, que ce moment où nous prions, et soit un moment de vision, un moment de songe, un moment de l'Esprit, un moment où les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent et que la situation qui était cachée dans ta vie soit démasquée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. J'invoque le sang de Jésus sur toi. J'invoque le sang de Jésus préparer ton cœur à recevoir la leçon d'aujourd'hui. J'invoque le sang de Jésus te purifier, te sanctifier. Au nom de Jésus, nous prions, nous croyons, nous recevons dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, sois béni, sois béni, sois béni. Oh, je sens dans mon esprit quelqu'un béni ce matin. Je sens dans mon esprit quelqu'un est visité ce matin. Je sens dans mon esprit que ce moment de prière, c'est un moment béni. Et l'onction de Dieu est si forte pendant que tu es en train de me suivre. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance de la prière du sang de Jésus. La puissance de la prière du sang de Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Verset 28, la Bible dit ceci, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alléluia. Au jour où Jésus fait sa dernière Pâque avec ses disciples, il introduit un mystère que l'Église doit recevoir. C'est le mystère qui est dans le sang de Jésus dans la prière. Il dit à ses disciples, en levant la coupe, que cette coupe est mon sang. Cette coupe symbolise mon sang. Pas n'importe quel sang, le sang de l'Alliance. Donc il dit par là que je suis venu introduire une alliance, une nouvelle alliance, qui est différente de l'alliance de Noé avec Dieu, qui est différente de l'alliance de Dieu avec Abraham, qui est différente de l'alliance de Dieu avec Moïse, qui est différent de l'alliance de Dieu avec David. Je vais vous introduire une nouvelle alliance. L'alliance avec moi-même. Yeshua, l'Éternel qui sauve. Pour que le pardon des péchés soit effacé définitivement. Bien-aimé, quand tu invoques le sang de Jésus, tu es en train d'invoquer l'alliance de Dieu avec toi, avec l'homme. C'est un pacte, c'est un contrat que Dieu engage de pardonner tes péchés et tes iniquités. Pourquoi nous invoquons le sang de Jésus-Christ? Parce que le sang de Jésus nous permet d'accéder devant le trône avec assurance. Comme le souverain sacrificateur pour entrer dans les saints des saints, il devait apporter le sang. De la même manière, toi et moi pour entrer dans la présence de Dieu, devant le trône de sa grâce, tu as besoin non pas de sang de bouc ni de bélier, mais le sang de Jésus. Alléluia. Mais quand tu invoques le sang de Jésus dans la prière, tu invoques la puissance de l'alliance, qui est la puissance la plus élevée. Parce que l'alliance est garantie non pas par l'homme, par Dieu lui-même. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Le sang de Jésus est la clé de ta grâce. Quand tu es en train d'invoquer, Seigneur, couvre-moi par le sang, tu obtiens miséricorde devant Dieu. Tu obtiens grâce devant lui. Et tu deviens agréable devant sa face. Non pas par tes œuvres, mais par les œuvres du Christ. Alléluia. Oh, que tu sois couvert par le sang de Jésus. Et que toi et moi, nous obtenions grâce et faveur. Que nous obtenions miséricorde. Et que nous sommes déclarés justes devant Dieu par le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, le sang de l'Alliance,
te qualifie d'être devant la présence de Dieu. Alléluia. Oh my God. Laisse-moi te dire que je veux que tu réalises qu'il y a dans la prière la puissance qui est dans les sangs. Et que toutes les fois que tu veux entrer devant les trônes, lève les mains et dis, Seigneur, couvre-moi par ton sang. Regarde-moi par le sang de Jésus. Et que tu me laves par le sang de Jésus. Personne ne peut être juste devant Dieu, ni toi, ni moi, sans le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, deuxième secret, dans Colossiens chapitre 2. Quand tu es en train de prier, qu'est-ce que le sang fait? Quand tu es en train d'invoquer le sang de Jésus, qu'est-ce que le sang fait? Dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Quand nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus, les ordonnances qui nous condamnaient, cela veut dire quoi? Les choses, les déclarations des hommes contre nous, les paroles prononcées contre nous, les incantations prononcées contre nous, les alliances tissées contre nous, sont détruites à cause du sang de Jésus-Christ. Mais quand il dit, Seigneur, couvre-moi par le sang de Jésus-Christ, ces alliances tombent. Mais si tu sais qu'il y a des manifestations démoniaques dans ta vie, dis maintenant que le sang de Jésus détruise toute alliance tissée contre moi, toute malédiction prononcée contre moi, tout mauvais sort envoyé contre moi, par le sang de Jésus-Christ. Si tu as des maris de nuit qui t'attaquent, dis-toi, mari de nuit, dans le nom de Jésus, j'invoque contre toi le sang de Jésus-Christ, qui t'a vaincu à la croix de Golgotha. Bien-aimé, le diable sait qu'il a été vaincu à la croix. Regarde ce verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh my God. Le sang est le symbole de la croix. Quand le sang de Jésus est invoqué contre le diable, contre les sorciers, contre les occultistes, contre les malédictions, rien ne peut faire obstacle à cela. Bien-aimé, le diable sait pertinemment qu'il y a une chose qui les met en spectacle. Ce n'est pas tes paroles, ce n'est pas la voix que tu utilises, mais le sang sans limite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus, frère. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le diable ne peut jamais vaincre cela. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, le diable est vaincu à cause du sang de Jésus. Toutes les fois que tu dis, Seigneur, j'invoque contre le diable et ses démons, le sang de Jésus, oh my God, le diable tombe. Voyez-vous par là, je vais t'expliquer quelque chose. Je me couvre par le sang de Jésus. Et j'invoque contre le diable le sang de Jésus. Je ne peux pas couvrir le diable par le sang de Jésus. Je ne peux pas couvrir les démons par le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus est une arme défensive pour moi. Est une arme offensive contre le diable. Quand je suis en train d'utiliser contre Satan et ses démons, contre la maladie, j'invoque le sang de Jésus contre toi. Bien aimé, tu as été diagnostiqué du cancer. Viens, lève-toi et dis, cancer, au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus contre toi. Et je te terrasse par le sang de Jésus. Tu sors de mon corps. Alléluia. Bien-aimé, le cancer sort à cause du sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le cancer, la maladie, l'infirmité, le diabète, le blocage, la souffrance sont que le résultat du péché d'Adam. Mais le sang de Jésus nous lave de ses péchés. Alléluia. Et de toutes ses conséquences, my God. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus ouvre l'alliance d'Abraham, l'alliance de la bénédiction. Regardons Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Quand tu es en train d'invoquer le sang de Jésus, tu es en train de rappeler à la malédiction qu'il y a un homme qui a pris ma place. Son nom est Jésus de Nazareth. Maintenant, malédiction, tu n'as plus d'œuvre dans ma vie à cause du sang de Jésus. Mais à la place de la malédiction, il y a quelque chose. Il dit, enfin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus. Pour nous qui ne sommes pas juifs, pour nous qui n'avons pas le sang juif, mais le sang de Jésus nous donne accès à la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, l'alliance de la croix récupère l'alliance d'Abraham. Amen. Afin que nous réussissions par la foi l'Esprit qui a été promis. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu invoques le sang de Jésus, 1.
tu es purifié, sanctifié. Deux, tu peux te tenir dans la présence de Dieu avec assurance. Quand tu invoques le sang de Jésus, les œuvres des diables sont détruites. Quand tu invoques le sang de Jésus, la bénédiction d'Abraham vient vers toi. L'alliance d'Abraham, qui est l'alliance de la bénédiction matérielle et physique, se manifeste en toi. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu ouvres la porte au Saint-Esprit d'œuvrer dans ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, le sang de Jésus ouvre toutes les bénédictions dans notre faveur. O masaka ya baraba shinta ya baba yekerebo sata ya baba rikatarabo shinte demande bosata ekarakatura basata ya baba baba ekerebo sata ya baba baba. O bien-aimé, là où tu es, dit au Seigneur, couvre-moi par ton sang maintenant. Couvre tout mon être dans le sang de l'agneau. Et marakabaya ritobo sheka ya baba baba. Dis au Seigneur, j'invoque la puissance purificatrice du sang de Jésus sur moi. J'invoque la puissance qui sanctifie du sang de Jésus sur moi. J'invoque la puissance qui justifie du sang de Jésus sur moi. Et marakabababa yenderebo sotoria katabaya rindobro karamanda basete yendorobo setereba shekereba sandaria. Oh, sois lavé par le sang de Jésus et que le sang de l'agneau te rende plus blanc que la neige. Et marabasata, que le sang de Jésus te sanctifie corps âme esprit, que le sang de Jésus te justifie corps âme esprit. Rikobo shekereba sataria, approche devant le trône avec le sang. Rimasata ya bababa yenderebo Sokorobo sata, o karaka baba baba, sois couvert par le sang aujourd'hui. Rita baya bashendere basataria, o mareke bro satara basente. Bien aimé, je prie avec toi ce matin. La Bible dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Quelle est cette arme redoutable? C'est le sang de Jésus. Oh, dis au diable, la Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et au diable, ce matin, la Bible déclare que les armes par lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser des forteresses. Par le sang de Jésus, je vois contre toi, Satan. Alléluia, prie avec moi. Si tu connais, il y a une maladie incurable, déclare-le avec le sang de Jésus. Et applique le sang contre cette maladie. S'il y a un problème dans ta famille, invoque le sang de Jésus contre cela. S'il y a un problème dans ton travail, invoque le sang de Jésus contre cela. Parce que la Bible dit, nous combattons pas contre la chair et le sang. La Bible dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Oh, massaka ya baba. Bien-aimé, le sang de Jésus renverse des forteresses. Le sang de Jésus détruit les œuvres du diable. Le sang de Jésus chasse les démons et les sorciers. Oh my God, rekabasata ya baba. Yenderebo sotorobo shendaramande. Bikobo saka ya baba. Yenderebo sotorobo sheke. Oh Satan, écoute-moi bien ce matin. La Bible déclare que tu es vaincu à cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, je déclare que tes œufs sont vaincus. Non pas par mes paroles, mais je te montre le sang de Jésus. Là où tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Sorcier enchanteur. Oh, la Bible dit, il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare le sang terrassé, les œuvres de sorciers, les œuvres de enchanteurs, les œuvres de féticheurs, les œuvres de marabouts, les œuvres des occultistes. Par le nom de Jésus, le sang est contre vous. Au nom de Jésus de Nazareth, que la malédiction tombe par la puissance du sang de Jésus. Je déclare maintenant le lien tombe par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, les condamnations tombent par la puissance du sang de Jésus. Je déclare maintenant la liberté par la puissance du sang de Jésus. Je déclare maintenant que les chaînes soient brisées par la puissance du sang de Jésus. Korakatabaya, rendebo sataya baba baba. Au nom de Jésus, je te déclare libre au nom puissant et glorieux de Jésus. Par le sang de Jésus, sois libéré. Par la puissance du sang de Jésus, sois délivré. Que le sang de Jésus passe dans ta vie maintenant. Que le sang de Jésus passe dans ton cœur maintenant. Que le sang de Jésus soit appliqué et que toute chaîne de l'ennemi tombe au nom de Jésus. S'il y avait des malédictions dans ta maison, par le nom de Jésus, que le sang te libère. Bien aimé, si tu as des maris de nuit, tu n'arrives plus à dormir, maintenant tu vas prier avec moi. Que ta maison est encerclée par le sang de Jésus. La Bible dit quand l'ange de la mort viendra, il verra les saints et passera outre. Laisse les sorciers, laisse les esprits des maris de nuit. Quand ils s'approchent de toi, ils te voient barricadé dans le sang de Jésus et que tu sois inaccessible parce que tu es encerclé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, sois encerclé par le sang de Jésus. Que ta maison soit encerclée par le sang de Jésus. Que tes enfants soient encerclés par le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ton travail soit encerclé par le sang de Jésus. Que ton ministère soit encerclé par le sang de Jésus. Et que tu sois inatteignable par les diables et ses démons. Au nom de Jésus. Oh my God, merci. Lève la voix et dis-lui merci pour l'arme fatale qui t'a donnée. Le sang de Jésus. Dis au Seigneur merci pour l'autorité de ton
sang. Dis au Seigneur merci que les anges exécutent la puissance du sang de Jésus. Dis au Seigneur merci pour l'alliance par le sang de l'agneau. Alléluia. Et masakaya bababa. Rokotorobo shenteremanda baya. Rikobo sakaya bababa. Je prie pour ton peuple maintenant que la bénédiction d'Abraham, l'alliance d'Abraham et son accomplissement par le sang de Jésus. Papa, pendant que je couvre ton peuple par le sang de Jésus, laisse que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement dans leur vie. Parce que la Bible déclare que tu es devenu malédiction pour nous. En fait, que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement pour les païens. Je déclare maintenant que la bénédiction d'Abraham, où tu as dit Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Oh, Masakaya Bababa. Oh, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Que ces enfants soient une source de bénédiction dans leur famille, dans leur église, dans leur entreprise, dans leur pays, dans leur nation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour la puissance illimitée du sang de Jésus. Merci pour le sang qui nous donne la victoire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse énormément. Bien-aimé, je te demande de partager cette vidéo. Elle va être une grande source de bénédiction pour les membres de ta famille. Je te demande de partager cette vidéo, de l'écouter chaque soir avant de dormir. Et de partager cette vidéo, tu ne seras plus jamais la même personne. Et tu verras les miracles s'opérer. Tu verras les chaînes tomber. Tu verras les changements s'opérer instantanément dès que tu commences à prier avec le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse énormément. Bien-aimé, c'est l'apôtre Hervé Bundia de la communauté Vie Abondante. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous avons un très grand programme de prière. Oh, les amoureux de la prière, les hommes et les femmes qui aiment prier, les intercesseurs, les sentinelles, les hommes et les femmes qui ont besoin de la prière, le dimanche 8 septembre, le mardi 10 septembre, le mercredi 11 septembre, le jeudi 13 septembre et le dimanche 15 septembre à la Vie Abondante aux 5 rue Henri Bergson. Un moment intense de prière avec pasteur Rim, Bertrand Rim de Casarema, l'apôtre Hervé Bundia de Casarema et de la Vie Abondante et pasteur Alain Obou des États-Unis. Nous aurons un moment d'impact, un moment de prière, un moment de gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu pour cette rentrée? C'est ton temps de rendez-vous. Ne ratez pas ce rendez-vous-là. Ne ratez pas ce grand programme. Je reviendrai avec vous pour une émission particulière là-dessus. Que Dieu te bénisse énormément. Et je te reçois tous les mardis de 17h à 18h. Et à partir de 18h jusqu'à 20h30, nous avons l'école, l'étude biblique où nous étudions la Bible en profondeur. Nous sommes dans l'étude panoramique de la Bible. Tu veux être un étudiant de la parole de Dieu? Viens dans ce rendez-vous. Le jeudi de 17h à 18h, je vous reçois en consultation pastorale. Et de 18h à 20h30, bien aimé, nous avons l'école de la prière. Vous aimez prier, jeûner? Gênez avec vous de minuit mercredi à jeudi 16h et venez rapidement. Nous allons passer des moments bénis dans la présence de Dieu. Et le dimanche de 10h à 12h30, nous avons notre premier culte le dimanche. Donc venez expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Et je vous dis à la prochaine à l'école de la prière. Bye. Même quand le pire est devant toi, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux prier ce soir pour les familles.